dégradation des bancs de sable bien nettes ce matin. Bonjour à toutes et à tous, on commence la journée avec un temps couvert et pluvieux assez doux, une température extérieure à 9 degrés, température de l'eau à 13 degrés, une marée qui est en train de descendre, le plein bas est à 10h45, coefficient 73, sur ce descendant le vent est sud-ouest, 2-3 beaufort, le plan d'eau est clapoté, et on a une houle qui est longue avec 13 secondes de période, orientée ouest, elle ressemble à pas grand chose, cette houle elle est multipique, sectionnée, agitée, en vrac, pas jolie du tout, en atténuation par rapport à hier soir, nous sommes sur un déferlement régulier à la hauteur de 2 mètres à 2 mètres 50 sur les séries 2 50 à 3 mètres. Là, vous voyez le banc de sable de la centrale qui s'est mis parallèle à la plage et qui ferme beaucoup. Et vous avez vu en début de séquence le banc de sable de la Nord là qui fonctionnait du feu de Dieu et qui est en train de se combler, de s'aligner parallèlement à la plage. Lui aussi, pas terrible. Bon, les vagues sont nazes, c'est pas surfable là aujourd'hui. Peut-être qu'à marée haute, il y aura des petits jeunes au bord dans les reformes. Évolution pour le reste de la journée, train d'houle stationnaire à la mi-journée qui s'atténuera en soirée. La voie Arcachon est à 4 m 70 secondes. On attend à 13h 2,50 à 3 mètres, ou l'ouest 13 secondes de période. Le vent de sud-ouest doit prendre 3 à 4 beaufort et à 17h plus que 2,50 m, ou l'ouest 13 secondes de période. Vent de sud-sud-ouest à 3 à 4 beaufort, du surf pas joli joli. Regardez le banc de sable de la plage centrale nord qui ressemble plus à rien, c'est bien dommage. Allez, bonne journée, prochain point 11h30, merci.